Relancer vite fait le chat, les loulous. Tac. Est-ce qu'on est bon? Ça a l'air d'être bon. Yes! On est de retour, parfait. Tout est connecté. Hop, donc on a fini. Ouais, je disais en fait, faut pas, y a pas d'explosion, y a rien. Là, c'est vraiment, faut voir aussi les mécaniques en fait de base qui sont liées à ça. Même si s'il a pas l'air ouf ce jeu, bah on peut s'apercevoir, c'est qu'au niveau de la structure d'un jeu vidéo, des mécaniques qu'on peut incorporer dedans. Ouais, je sais. Ouais, je sais pas si c'est un problème lié à la connexion au niveau du paramétrage. Je ne sais point. Et on n'est pas à l'abri que ça recommence, hein. Bon, faut pas prendre. De toute façon, je vais faire tous les. Cet après-midi, je vais faire tous les stands. Donc, je recommencerai autant de fois qu'il le faut. Non! Oh là 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 là! Une armure qui copie les mouvements d'un pantin? Cockpit player. Oh, ça va être bien ça. Si t'as une mécanique qui permet de copier. Ah, ça fait un peu Game & Watch. Regarde-moi ça! Mais c'est un truc de fou! Là là! Là, c'est normal! Excellent! T'as vu, regarde en plus. Bye. Ouais, c'est ça. Regarde l'interaction, je te dis, au niveau de la mécanique. Là, il me dit bonjour. Quand je suis à l'intérieur, tu vois les trucs, t'as les smileys. Et en plus, la caméra, elle me suit, tu vois. Pour dire qu'on se marre, tu vois. Il est content de voir qu'on se marrait. Et quand on se casse, tu vois, on quitte l'enclos. Regarde. Il me dit bye. Salut. Ouais, ça, c'est le genre de petites mécaniques qui sont cool, hein. Ah, mais en plus, ouais, le trampoline. Ah, je pense qu'on est tous de grands enfants. Hop, on va se mettre là-dedans. Ok, ça fait effet un peu musée. Red Sekaku présente Red Cusset Island. Ah, une démo disponible. Ouh, on a l'air d'être sur une île. Sinon, on est le petit bateau, faudra éviter les monstres. Tout le contenu qu'il y a là, en plus, tu peux l'utiliser dans ton propre jeu, quoi. Attends, on n'a pas vu. On n'a pas vu tout. Ah, ça fait un peu discothèque années 80. Ah non, c'est une plateforme d'arcade! Bienvenue dans la maison d'arcade. Ok, ça fait genre remise. Petit truc qui clignote. C'est vrai que les effets, c'est les ambiances sont super bien faites, hein. T'as la communauté artistique dans le monde, elle est cool, hein. Ah, j'ai reconnu le petit son là de Media Molecule là du jeu. J'utilise moi aussi dans mes jeux. Bon, on a fait le tour pour celui-là.
Même ça, faudrait que j'essaie de trouver un moyen de faire. Enfin, si, j'ai dit des bêtises, j'ai dit la petite musique d'ambiance. Tu peux mettre une musique en fond, mais c'est juste en fait comment pour l'avoir juste en pas trop fort en musique d'ambiance. Parce que mettre un son dans une scène, c'est facile. Ah! The year is 2031. An explosion in the night. A branch of government keeping secrets. And of course, a conflict as old as time. C'est magnifique. Outside of New Rome State City, a flash of light sweeps across the land. A portal to a strange world, once hidden, now revealed. But this story is about more. Ça, c'est magnifique, hein. Ouais, c'est dingue, hein. Il y a même le petit effet là de bulle qui pétisse. Oh là 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 là. A spooky adventure. Attends, tu vas pas m'écraser le marteau. Ah! Des pics. Ok, ça a l'air d'être un jeu de survie dans la forêt. Ah ouais, ça donne envie, hein. Ça c'est des jeux qui vont arriver en plus, hein. Ça c'est des jeux qui sont en cours. Ok, ça c'est de la musique. Ok. Comic Sun. Ils destroyent tout le wake, machin. À quoi Sprock? Ah ok, il n'y a pas de démo, c'est juste une présentation de son jeu. Light City, une guerre à détruire la terre humaine. Ah ok, donc ça sera les races apparemment de... Les races d'humains ou d'aliens si j'ai bien compris. Les cibles à abattre peut-être, ouais, les cibles. Ok. C'est quoi? Ah, je crois que c'était un homme savon maintenant. Ok, un magasin de savon. C'est vrai, hein? Et qu'il a la tête dans le savon. Hall 9. Ah, est-ce que c'est un jeu genre ta maison elle est en train de cramer T'as regardé. Attends, il a même fait le... La marque de la télé. Ah, on reconnaît que c'est un bon, regarde, il a fait une PlayStation, hein. PS4. On sent que le mec, tu vois, il... Ça va être un bon jeu, voilà, on peut pas le... Wow! Elle a l'air mastodonte celui-là, hein. Charging air, first point, you have to run. Ok. Shooter and dreams, ok. Alors attends, on va faire le tour comme ça... Tèche Publish. Un magasin. Il y a beaucoup de magasins, hein. Ah, il a fait un petit effet de caméra. Attends, regarde, même les maillots, ils sont peints. Attends, je peux pas aller plus. Ah, ça va être mieux là. Attends, il y a une caméra qui me force à regarder là-bas. Regarde-moi ça là. C'est un truc de fou. Il a peint.
Hop. Autant les sculptures c'est cool, mais autant ouais putain c'est bien peint hein, sur ces bouquins là. Hein. Putain c'est cheap, mais moi j'adore. Hein. Hey there, welcome to the unexciting asset jam portion of Kataya's self-promotional booth. Ah trop fort le Korbach qui parle. Hey there. Welcome to the Hops 2 portion of Kataya's self-promotional booth. I'm Hops. Tony, what are you doing? As I... T'as même les voix, hein. Ça va être cool. Faudrait que je trouve du monde, moi aussi, pour faire des voix de personnages. Ça serait cool, ça. Attends, on va faire dans l'ordre. Ah ouais, ils sont embêtés de fou, hein. Et je pense que ça, de toute façon, peu importe les... Ça, en plus, c'est juste les boutiques. C'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des gens qui ont travaillé depuis un an sur leur jeu. Hein. C'est pas moi. Moi, j'ai travaillé, genre, moins de 3 semaines. Ah, il a fait un diaporama. Et en plus, ça suit. Ah, ok, il y a un capteur de regard qui suit le... Cool, t'as la mécanique de diaporama, c'est pas mal ça aussi. Il y a tellement de choses en fait. Je vais arriver à la fin du live là, des 48 salons. Puis il y a tellement de choses qui a été proposé que je vais me souvenir de rien là. Introducing international stunt superstar. Get ready. Go. Exodus. Danger Seeker. Non, c'est pas moi qui contrôle la moto. Tu sens le truc un peu américain là qui... Regarde, t'as vu, c'est même écrit là. Tu vois les petits panneaux là en dessous là. Ah non, c'est juste la caméra qui change. Tale of Afcorn, The Crosstone, Enigma. Ah, un jeu d'énigme. Try the new update. Ah, mon pote, tu le dis pas dans l'oreille d'un sourd, ça. Ah si, ils ont fait les jeux interactifs, là, comme t'as les jeux mobiles, là, tu sais, ou t'as les jeux d'énigmes. Ça peut être pas mal, ça. Crosstone Enigma, ok. Bon, on a fait tout pour ce salon. Ouais. Bon, il y a tout qui est bien, de hein, toute façon. Hein. Les animations sont tellement cool. Bon, attendez. Je vais juste faire une petite pause pipi. J'en ai pour vraiment moins de 3 minutes. Je reviens. Re. Bon. Et on a même eu le temps de se laver les mains. Alors, stump footing, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Ah, c'est des DS. C'est une sorte de Game Boy DS. Par contre, t'écris un peu petit, hein. Attends, qu'est-ce que tu me dis? Nanana, ok, nanana, stuff, ok. Je voulais voir tant qu'il était temps. Deux petites chaînes. Un what? Je voulais voir tant qu'il était temps. Deux petites chaînes en recommandation. What? What? Thank you.
c'est trop fort! Ah, j'ai joué un crâne en t'écoutant, donc je restais un petit peu silencieux. D'accord, ok, y a pas de problème. Y a pas de mal. Bah, tu loupes quelque chose, hein, moi je te le dis. Hein. De toute façon, il y aura le replay, y a pas de problème. Oh là 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 là. Oh, c'est toute beauté. Hi, I'm Kinardo, and welcome to my booth. I'm a newcomer to the Dreamiverse this year, with a focus on game design. In March, I put out my debut project, Neon Vendetta, and in April, I created and released Making the Leap for the Autistica Play Jam. It has been an absolute thrill joining this community. And to celebrate, this week I'm here showing off a quick look at my upcoming project titled This is a Walking Simulator. Thanks for stopping by and have a great dream. Ah, ok, un simulateur de marche avec des effets. Ah, bah pourquoi pas? The Little Ninja 2. Ah, ils ont fait la suite! Hâte de voir ça. Pollution Stories. The world in danger. Ayun, the player must plant. Donc on doit planter des arbres pour le sauver. Ah, mais je crois que je l'ai déjà fait ce jeu en plus. Ah, c'est peut-être une nouvelle update. Bon, on a fait tout ce salon. Qu'est-ce qui nous attend à la prochaine? Ah, nos amis fans de clowns. Est-ce qu'on peut passer par là? Ah ouais, ça fait genre rouleau compresseur. Ok. Eh, tu vois, on était pas loin, n'empêche, hein, quand je te disais le petit genre du petit truc de fête foraine là. Bah, je crois que c'est un peu l'idée, hein. Oh, oh, oh! Ascenseur! Ah! Ah, ça fait des petites notes, les flèches! Ah, trop... Oh, je suis bon public, moi, ça me... Un petit toboggan? Oui! Have a great day. Ah bah écoute mon pote. Ok, c'est la sortie. Ah, et puis il y a un entier tour. C'est que dans un sens, pas dans l'autre. Tac. Oh là 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 là, le manoir. Cathédrale. Community Challenge, please remix me. Ah, il l'a fait pour être remixé. Attends. Hop, 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 hop. Bah, je sais même pas si on peut dire que c'est vraiment un test de jeu. Là, c'est juste vraiment le local pour la fête foraine. Après, je pense que dans son jeu à lui, il sera beaucoup plus grand, le stand. Là, il a juste fait voir un petit bout de ce qu'il avait. Tiens, par contre... Ça serait pas mal, ce bâtiment, là. Est-ce qu'on peut aller là-dedans? Non, on peut pas le... Ah, voilà, attends. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah, il y a un passage secret! Ça, tu vois, ça c'est un mec qui aime faire du level design, quoi. Pour des jeux un peu MMORPG. Toi, tu mets des PNJ ici et là.
Non, y a pas d'autre passage secret, c'est juste le premier. En tout cas, le... Putain, les détails et les textures, c'est cool, hein. Putain, ça a dû prendre du temps, hein. Bon, là, c'est là que tu vois qu'il a cloné la même porte. J'y en veux pas, parce que... Quand tu vois comment moi, je galère aussi, t'as pas envie de te faire chier à faire des murs différents pour... C'est long à faire, hein. Eh ouais, t'inquiète, c'était génial. Allez, toboggan, oui. The Reckless Dark. Ah. Ah, trop fort. Ah, l'animation en slow motion. A new VR donjon. Ah, c'est un jeu VR en plus. Ah, t'as le mec, il a touché sa bille là. Il m'a fait flipper le con. Ouais, faudra la VR. Oula. T'as, j'adore moi les trucs qui se transforment comme ça, ça fait tellement Tron. T'as, je sais même pas comment, j'arrive même pas à concepter la... Oh là 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 là, mon cerveau il est en bug là. Oh là là là, mais comment il a fait l'animation quoi? Mais c'est un truc de fou! Oh, c'est magnifique! Ah! Non, non, j'ai pas le PSVR. Ça coûte un peu trop cher et il n'y avait pas beaucoup de bons jeux à faire dessus, donc je l'ai pas malheureusement. Check out the message. Ah, il y a la musique qui s'active quand on est dans l'eau. Ok, il a fait une ambiance un peu chill, ambiance pêche, tu te détends, ok. Le burger ennuyeux. Ou ennuyant. Des frites ennuyeuses. Ah, c'est là que je demande le joint, ça j'appuie pas là. Ouais, petite musique sympa. Ok. Bon, bah c'est pas mal, hein. All 12. Sympa ces créatures un peu en forme d'ombre. Je vais me remettre un peu comme ça. Ah, même pas, c'est même pas des ombres, hein. Ça fait vraiment genre pyjama. Ça fait bizarre, ouais, ça fait un genre pyjama monstre. Sympa. Test and frustration. Ok. Ouais, c'est ça, ça faisait un petit peu démon. Bah, j'ai l'impression que ça faisait plus un peu créature, ouais. Ouais, démon, ouais. Oula. Ouh, lui, il a fait un mélange un peu démoniaque, lui, entre un alligator, un chien et je sais pas quoi, là. Un monstre un peu vulcain. Et stylé celui-là, j'aime bien, hein.
Qu'est-ce que c'est ça? Moi? Oscalty, Lova, Showcase, Rookie, Recommend. Enjover, nanana. Ah, ça a l'air d'être un jeu un peu comme Dragon Quest ou MMORPG, où t'as du tour par tour. Oh putain, c'est ambitieux ça! Tu vois, genre les petits monstres qui pop, quoi. Genre un orc, un blob et un bandit. Toi, t'es là, avec ton équipement et tu sélectionnes tes attaques. Genre, pareil, tu sais, genre t'as le fufu, le rôdeur, le healer. Bonjour. C'est Dungeons Rare. Ouais. Ouais, il a fait un trou noir, nanana. Little Bolt Adventure. Ah voilà, attends. Il y a une caméra. Trop fort. c'est cucu, mais j'aime bien, moi, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on a là, la couleur des ombres. Ah, d'accord. Ah oui, regarde le panneau, les cryptos. T'as des trucs qui s'effacent un peu, ils jouent sur l'opacité, en fait. Ah. Je crois que ça change la couleur. Ouais, les trucs. Ok. Ok, ok. Bah écoute, sur celui-là, c'est bon. Ouais, c'est bizarre. J'ai pas trop compris la. C'est une mécanique qui est assez simple à faire, ça, pour le dernier. Mais bon. Ah, stylé la statue! Ça, par contre. Je crois que c'est. Est-ce que c'est une tâche ou une sculpture? Ah, c'est vraiment de la sculpture. Ah, ok, il a fait des poupées à son effigie. Ça me donnerait presque envie, tu vois, de prendre une de ces figurines, de la mettre en personnage jouable pour un de mes jeux, quoi. Et stylé, hein! Stelgas. Ok, encore un petit magasin. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? C'est magasin d'informatique, si je dis pas de bêtises. Un de son. Attends, je crois que c'est du son, en fait. Non, c'est la même. Ah ouais, c'était ça, c'était du son. Games Lover. Il manque des moustaches à ton chat. Il a ciblé une zone sonore quand on est en dehors du cercle orange où on n'entend plus la musique. Ouais, qu'est-ce qu'on a là? Ha ha ha.
papa. Sympa. Purple Invasion. Yeah. Hello. Ah, on peut pas faire d'emote. Dommage. Ça aurait été sympa de mettre une petite emote disponible dans le... dans le photo, dans la photo room. Alors, tac tac tac. Ah, c'est pareil. C'est juste le son qui change. Ok. Welcome to Arkham Game. Game log something. Ah, regarde, il me suit là le truc au sol. Ah, mais c'est super cool. Et ça, c'est une idée de génie, ça. Est-ce que je peux crever? Ah, je crois pas, non. Ouais, c'est juste en démo. Ça, c'est bien pensé, cette mécanique, hein. On a talk show. A drama show like Phil's or Oprah where you talk to the host while being filmed in front of a live audience who laugh at or throw guilt at you for who you are. Ok, je vois ce que c'est. Ouais, ça a pas trop m'intéressé, ça. Bon. Il y a des mécaniques qui sont cool, hein. Hall 14, les amis, Hall 14. Donc ça, c'est juste visuel apparemment. Qu'est-ce qu'on a? Matching House of Stock. Ah, ça a l'air d'être une boutique. Oh, ça, graphiquement, c'est beau, ça. Ça fait un peu genre ambiance un peu elfique, là. Oh, regarde. On peut même écouter du son. On est dans une ambiance de forêt là. Hein. Ah d'accord, là c'est assez subtil, je sais pas si ça va s'entendre. Mais regarde, quand on marche dans l'eau, on l'entend là. T'entends là les flocs-flocs? Comparé à ce qu'on marche sur la terre. Sympa. Ok, donc ça doit être par rapport à son jeu. Tac tac tac. Porto. Ah, ça je l'ai vu dans le menu de Dreams. C'est un jeu de plateforme puzzle. Nanana. Ok.
Bah bon, je pense que tu vas être un genre de machine un peu... ouais, c'est ça. Qui va porter des caisses. Un peu comme un gerbeur humain, quoi. Un gerbeur robot. Tu vas contrôler. Elle arrive 2022, bah c'est pas pour tout de suite, hein. Équilibrium. Faut réarranger les frames. Ah, attends, c'est quoi? Oh, on peut faire mi-jeu. Ok, sélectionner la pièce. Ah, c'est pas un Tangram. Ah, je crois que c'est ça, c'est un genre de Tangram. Et... Hé. Attends, est-ce qu'il faut que je fasse... Non, c'est un losange. Ah, je crois que c'était un diamant. Je suis bête. Non, c'est même ce qu'il y a derrière. Attends, il faut que je fasse quoi? Réarranger, hein, et check ça. So to the form. A symmetric across the blue line. Ok, il faut que je fasse des formes symétriques. Faut que je fasse des formes symétriques par rapport à la ligne bleue. Je crois que c'est bon, hein. Ouais, c'est ça. Non, attends, c'est pas ça, j'ai fait une bêtise. Je crois qu'il faut que j'échange ces deux-là. Non. Ah, on peut superposer les formes en plus. Ah. Ok. Ah, ce qui fait que en plus, tu vois, tu peux faire ça, quoi. Ah. Ok. Ah bah, ce qui fait que du coup, ça c'est pas du tout symétrique. C'est intéressant. Ah ouais, faudrait s'y pencher un peu plus là-dessus, quoi. Hop. Ouais, je crois que ça fait un truc comme ça. Ouais, mais c'est déjà ce que j'avais fait tout à l'heure, hein.
Non, par contre, ça a l'air d'être toujours en rouge. Ok. Non, mais pas mal, ouais. Ça, c'est un petit jeu qui mériterait plusieurs heures de réflexion. Je vais pas être trop ennuyeux. Je vais pas tout faire là-dessus. Mais sympa. Donc, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Et ça, on vient de le faire. Encore un nouveau puzzle. Games are coming soon. Ok. For an older production. Ouh, t'es bien moche toi, t'es bien dégueulasse. Ah, c'est la voix des monstres. Let us bargain. Pas mal. Ça met. Mon Dieu. J'ai résolu un puzzle, je suis trop fort. Ah là là, qu'est-ce qu'on est intelligent. Ça, c'est, j'espère que c'est des assets qu'on pourra prendre, ça. Sympa. Hop hop hop. Et stylé la mascotte. Ah, ils ont pris celui-là comme mascotte du coup d'Infinity Dreams. Ok. Bah oui, c'est ça. Oui, la Dreamscom, c'est un salon qui est propre à leur jeu. Bah, faut avoir le jeu, tu sais, c'est pas relayé comme l'E3 ou les trucs comme ça. C'est vraiment à l'intérieur du jeu. Oh, regarde ça. Il a fait la jaquette du jeu. Avec les petites manettes et Joy-Con du jeu. Attends, est-ce que je peux aller un petit peu dessus? Bien. Et franchement, blablabla, parlons de Dreams. Il a fait le salon. Ah ouais, c'est un crochet pour la poignée de porte. Une petite musique, un peu d'ambiance. Ok. Non. Ok, ok. Ok. Ils ont représenté la scène de la maison qui est en feu, le mec qui bouge pas. Wouah! Wouah, jeu de cartes! Oh là 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 là!
Oh là là, là j'achète, hein. Oh my god. Regarde-moi ça. Carton craft. Tous les items. Mossaf. En plus, il a fait une détail. Oh là là. En plus, ça, c'est le genre de, d'item comme ça que j'aimerais pour mon jeu de. Mon battle royale de chat, chien et de souris, quoi. Oh là 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 là. Ça, je crois que ça, je vais kiffer, hein. Ça, ça donne envie. Le. Là, il me tape dans l'œil, le petit truc de carte, là. Hein. Cool. Ah. Comic song. Ta-da. Attends. Mode possess the cube ball and over. Ok, donc on pourra posséder la boule. Ok. C'est un jeu où on pourra incarner cette boule et la posséder et rouler avec. Ok. 4 quid. C'est un jeu d'horreur. Ok. Ok, faut avoir ça quand il sortira. Tac tac tac.